Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et test d'un produit high-tech qui vient de France avec Amazon Prime. Je l'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Chapeau Amazon, fier de vous. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à l'aimer, à la partager, un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Et le blog pour les codes promo qui est dans la description pour que vous puissiez aussi profiter de ces promos. Allez, juste après le jingle pour déballer ce package. Alors, on va prendre notre couteau Made in China. Tac. Est-ce que ça souffle comme ça? Non. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, c'est une petite lampe de bureau, lampe LED de bureau, qui est plutôt sympathique, qui peut être accrochée en bord de table ou posée carrément sur le bureau directement. Donc USB LED Light, la ULT300 de chez Daffodil. Et je vois qu'aussi câble flexible, interrupteur à 3 voies, prise entrée et compartiment pour pile. Donc elle fonctionne avec pile ou avec chargeur. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ah oui, là. Derrière, vous avez les caractéristiques. Donc en français, clavier, lampe de bureau, 28 ampoules LED, flexible. Sélection, les 3 niveaux de luminosité. Appareil alimenté par USB, plug and play. Également peut fonctionner avec 4 piles. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, pas de manuel d'utilisation. Ah, si. Happy. Une petite fleur. Et puis, bah là, c'est le service client. Voilà. Donc, ça, c'est le câble USB. Alors, ces enfoirés, ils fournissent pas le chargeur. En fait, ils vous fournissent le câble, puis après, derrière, démerdez-vous. C'est pas bien. Voilà. Vous voyez, système de pince. Tac. Et voilà. Voilà. Ça se présente. Alors, vous avez ici donc les lampes LED ici. 4 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28. Plutôt pas mal. Donc ici, vous avez ici donc la partie ici, elle est métallique. Donc là, vous avez l'interrupteur. Ici. Voilà. Et là, DC 6 volts. Vous voyez. Donc le câble est ici. Qui se branche là. Et de l'autre côté, il va falloir un chargeur pour l'alimenter. Sinon, vous avez ici en fait. Voilà. Couvercle et puis vous pouvez mettre 4 piles pour qu'elle fonctionne sur pile. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc vous pouvez la poser comme ça sur le bureau ou vous pouvez pincer ici comme ça. Voilà. Je vous fais voir. Voilà, ça peut se pincer comme ça, vous voyez. Donc ça se pince, ça bouge pas. C'est plutôt parfait. Ou ça peut se poser éventuellement ici comme ça.
directement. Et c'est ce qu'on va faire. On va tester. Ici, donc, on va brancher un changeur. Vous voyez, c'est vraiment des enfoirés. Parce que, du coup, vous êtes obligé, en fait, d'avoir un chargeur à côté. Non, ça n'a pas tenu. Alors, on recommence. Voilà. Ah bah non, c'est pas branché. On va brancher l'alimentation. Et voilà ce que ça fait. Ah, c'est pas allumé complètement. Non, il reste 3 rangées non allumées. Ah oui, c'est la puissance. Voilà, c'est ça. En fait, vous avez plusieurs niveaux de puissance. Donc là, il n'y a rien. Premier clic, une rangée. Deuxième clic, 4 rangées. Troisième clic, toutes les rangées sont allumées. Et c'est franchement pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal pour une lampe qui vaut moins de 10 euros. Là, je suis tranquille, comme ça, je peux me faire mes reviews tranquillement. J'ai 2 lumières et c'est génial. Wouh ! Voilà, bah écoutez, c'était donc cette lampe, une petite présentation de cette lampe. Voilà. Donc, Daffodil ULT300. Qui m'a l'air plutôt sympathique. Voilà les copains. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Ce que je vous la conseille, ouais, écoutez, après, moi je voulais pas me ruiner pour une petite lampe. Donc là, ça, c'est bien parce que vous pouvez la mettre en fait en pinceau comme ça, ou éventuellement la poser directement comme ça sur le bureau. Et c'est pas moche. Voilà, bah écoutez, likez la vidéo, partagez-la, un pouce bleu. Vous avez un lien d'achat dans la description. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao, ciao.